Eh bien, bonsoir à tous pour cette troisième émission en direct sur le Facebook Live de la ville. Alors bien, comme on respecte tout à fait les normes, on est tous bien éloignés les uns des autres, on a aéré la pièce, on n'est pas face à face. Je vous propose, messieurs, qu'on quitte les masques, si on y arrive. Voilà, on est libre de respirer, mais de pas trop postillonner non plus. Eh bien, donc, troisième émission en direct, on est donc mardi 10 novembre. Nous nous trouvons donc en présence, comme pour les deux premières, avec donc Monsieur Bruno Pirriou, maire de Corbeil-Essonnes, bonsoir. Denis Barranger, directeur général des services, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Frédéric Bourges, donc maire adjoint au personnel communal, entre autres délégations. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous propose ce soir que l'on débute cette émission par une sorte de petit reportage. On a été à la rencontre d'habitants de Corbeil-Essonnes. On leur a demandé un peu comment ils vivaient ce confinement. Je vous propose qu'on regarde et qu'on réagisse par la suite. Le confinement, franchement, ça se passe plutôt bien. Moi, je suis en télétravail, donc je sors pas de chez moi. On redécouvre un peu la famille, manger ensemble, parler ensemble. Les relations avec les collègues, c'est clair que c'est spécial. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait un petit meeting Zoom une fois par semaine. C'est un petit peu l'apéro virtuel, quoi. C'est important de garder des liens avec les collègues. Ce serait dommage de perdre ça. Les enfants sont à l'école, on sait ils sont dans un cadre scolaire, qu'ils ont quand même un suivi éducatif et pédagogique. On a déjà la pression du travail, la pression du rendement, des patients, des décès, de tout ce qui suit dans le médical. Donc, en fait, rentrer à la maison et faire la maîtresse, le professeur, c'était juste pas gérable, en fait, pour nous, c'était impossible. Le confinement se passe plutôt très bien parce que j'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin. Le second confinement me paraît véritablement très, 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 très light. Il y a toujours autant de monde dans les rues, il y a toujours autant de voitures, il y a toujours autant de passants. On dit que le corona, il circule super vite, mais à l'école, on n'est pas à 1 mètre de distance. Il y en a beaucoup qui se touchent entre eux, ils se font des bisous, des câlins. J'ai peur, en fait, de l'attraper, moi. Ça ne va pas déjà moralement, physiquement et financièrement. On ne trouve pas de clients parce que les gens sont confinés. Il n'y a aucune rentrée. Et il y a des charges. On ne dit pas arrêter de payer le loyer. On ne dit pas arrêter de payer les crédits. On ne dit pas arrêter de payer ceci. Comme il y a le Covid-19, non, je ne fais plus de karaté. J'aimerais bien, parce qu'au moins on peut aller au moins un peu au sport, mais 1 mètre de distance. S'il y a quelqu'un qui se colle trop, on va lui dire 1 mètre de distance. Comme moi, je suis non-voyante et mon mari, pareil. D'habitude, au magasin, quand je ne trouve pas un article et tout ça, je demande. Mais là, les gens, ils ne répondent pas. Ils se méfient beaucoup plus, et au point que personne n'y pense à l'autre. Monsieur le maire, la classe moyenne de Corbeil-Essonnes aimerait aussi être informée quand il y a des distributions de masques. On trouve que les gens défavorisés sont beaucoup plus mis en avant que nous, et pourtant on ne gagne pas des milliers de cents. Donc ne nous oubliez pas. Depuis le début du confinement, je me suis fait contrôler 0 fois. Il n'y a pas assez de policiers ou de personnel dehors. Que je pense pas que les gens ils soient conscients du danger qu'ils prennent. Peut-être que Corbeil essaye d'apporter un éclaircissement d'une autre façon à sa population, parce que la population ne peut pas demander à M. Macron ou bien à n'importe qui, je ne sais pas, du gouvernement, est-ce que vous pouvez nous apporter un éclaircissement là-dessus? Nous, au moins, on peut se rapprocher auprès de notre maire et dire, oh, monsieur le maire, voilà, pourquoi ça se passe ainsi? Procédez comme la campagne. Vous êtes très présent sur les quartiers. Et je trouve que là, les Allemands sont beaucoup moins sur les quartiers. C'est mon avis personnel. Je préfère que les salariés de la mairie ils soient devant les écoles à s'occuper de ma fille à aller à l'école avec toutes les barrières de sécurité qui existent, qu'ils soient dans un bureau en train de faire des mails parce qu'ils ont payé la cantine. Je m'en fous. Je pense que même de passer des coups de fil aux gens, demander comment ils vont, les appeler, comment ça va, ce qu'ils ont besoin, que les gens ils sentent qu'il y a une présence et qu'ils peuvent compter sur la mairie. Eh bien, voilà donc
les réactions des habitants, de ceux en tout cas qu'on a rencontrés. Avant de vous proposer de réagir, je voulais donc rappeler que sur le chat du Facebook de la ville, on va avoir donc des commentaires. N'hésitez pas donc à commenter, à poser vos questions, on les lira en direct autant que faire se peut. On voit déjà que Lily Gourmandise, qui est la plus fidèle pour l'instant, est présente donc à chaque émission. Donc bonsoir aussi à Hype Pito, Daddy, Samy, enfin tous ceux qui nous rejoignent sur le chat. N'hésitez pas à continuer de contribuer tout au long de l'émission. Vous allez voir que régulièrement, hein, je vais être en train de regarder l'ordinateur, soyez pas vexés, c'est pour donc pouvoir réagir éventuellement. Alors, quelqu'un souhaite réagir à ce qu'on vient d'entendre ? Eh bien, moi, je veux bien dire un premier mot. Bonsoir à vous toutes et tous. D'abord, dire que je ne regrette pas qu'on ait pris au pied levé cette initiative du direct. Parce que depuis la semaine dernière, il y a beaucoup de monde qui participe à ces émissions. Et comme l'ont dit les Corbeil-Essonnois qui nous ont interpellés, je crois que même si c'est un confinement plus light, comme il a été dit, incontestablement, c'est quand même difficile à vivre. Beaucoup de questions sont posées. On va y répondre ce soir avec Frédéric et Denis à quelques-unes. Mais je ne regrette pas parce que déjà en période normale, je pense que la démocratie est un peu en souffrance dans notre pays. On voit qu'on interpelle aussi le président de la République. Mais tous les élus sont au pied du mur pour réinterroger leur rapport aux citoyens. Et donc, en ce qui nous concerne, nous avions engagé, je le redis, parce que nous reprendrons ces initiatives d'Imagine Corbeil-Essonnes pour donner la parole aux habitants, puisque nous avions la conviction qu'on ne peut pas réussir notre vie ensemble à Corbeil sans eux. Mais a fortiori en période de confinement, même si il est moins dur que le premier, eh bien, on doit être en situation d'écouter les habitants, d'être à leur disposition, et les demandes sont nombreuses. Donc la première réaction, c'est de dire que voilà, vous invitez à nous parler, à poser des questions. Certaines déjà ont été posées, mais je souhaite qu'avec Frédéric et Denis, on puisse y répondre. En tout cas, c'est fait pour ça, c'est fait pour ne garder le contact avec les habitants, mais pas simplement un contact pour demander est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, c'est aussi prendre des initiatives. On va y revenir, on a pris dès la semaine dernière des mesures de solidarité envers les habitants, on va les décliner, mais elles sont aussi venues des demandes que nous avons reçues lors de ces directs, et donc on va y revenir dans l'heure qui vient. Très bien, merci. Vous vouliez réagir, je crois. Oui, parce qu'effectivement, on est élu de Corbeil-Essonnes et c'est une responsabilité très importante. On représente la population, on est porté par la population, il y a des attentes et on sent bien là qu'il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de doutes, y compris sur cette période de deuxième confinement light, en tout cas de restrictions plus ou moins fortes, qui sont plus ou moins bien compris avec beaucoup d'interrogations. Ça va faire près d'un an que ça dure. Donc il y a encore peut-être de l'espoir sur ce qu'on nous annonce avec un possible vaccin qui pourrait être efficace. En tout cas, la perte, la réduction forte d'activité économique, le perte de liens sociaux, les difficultés sociales, de santé, on sent que ça pèse et que je pense que c'est extrêmement utile de réfléchir et c'est très important d'avoir ce contact-là pour vraiment arriver à bien sentir, à être à l'écoute, les actions de solidarité, de permettre à tout le monde de se projeter un peu plus positivement dans l'avenir, quoi. J'ai presque envie de vous demander aussi à vous, comme on l'a demandé aux habitants, comment est-ce que vous vivez ce deuxième confinement, vous ? Ben, c'est pas facile, on en parlait tout à l'heure, c'est que moi j'habite pas très loin de la mairie, je suis élu quasiment, je viens tous les jours à la mairie avec une attestation spéciale comme élu de la population. Je suis un jeune retraité sans enfant, donc j'ai pas le rapport aussi difficile que quand on a des enfants qui sont scolarisés ou d'aller au travail. Je reste très humble par rapport à ça et c'est pour ça que je veux consacrer quand même une bonne partie de mon temps et de mon énergie à faire avancer les choses avec les gens, quoi. Très bien. Vous vouliez réagir ? Oui, juste dire en effet qu'on on voit que ce deuxième confinement, comme une personne l'a très bien dit, est beaucoup plus light que le premier. Hein. Déjà, je pense que ce qui est très important, c'est que tous les équipements scolaires sont maintenus ouverts. Ça, c'est important parce que du coup, tous les parents d'enfants peuvent continuer à travailler. Et il y a beaucoup
d'agents de la commune qui ont des enfants, donc voilà, qui sont présents au travail. Moi, je voudrais souligner la solidarité que la fonction publique a prouvé tout au long de ces épisodes, voilà, et notamment à Corbeil-Essonne. Rappeler qu'on a un dispositif qui fonctionne, qui a très bien fonctionné lors du premier confinement, qui fonctionne a priori de nouveau très bien et qui est le point d'entrée pour tous les habitants, qui est un numéro de téléphone. On appelle, nous, la cellule d'écoute, qui permet d'écouter toutes les demandes des habitants, ne pas hésiter à appeler au 01 60 89 72 01. C'est une cellule qui s'affiche sur l'écran d'ailleurs. Voilà, qui est ouverte de 9h à 17h. Et toutes les questions que vous pouvez vous poser, des demandes de masques, on distribue, la ville distribue des masques, tissus, on en a encore des milliers à distribuer, donc pas de problème. Des possibilités d'aide pour les courses, les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes esselées, ne pas hésiter, on a un service de course pour toutes ces personnes. D'ailleurs, j'ai cru entendre que la cellule déborde d'appels, qu'il y a énormément de personnes qui appellent en continu presque. Oui, on a justement, ça c'est encore une expérience, une belle expérience qui est sur le premier confinement. On a une équipe qui est très bien rodée, qui est à l'écoute de ces personnes qui sont souvent complètement isolées et un peu dans la panique. Et on a voilà, des personnes qui savent écouter et se mettre au service de ces personnes. Très Donc, bien, bah écoutez, ne pas hésiter pour n'importe quelle question. Là, j'ai évoqué quelques services, mais ne pas hésiter. Il y a un dispositif d'aide alimentaire qui se met en place. Donc là aussi, ne pas hésiter avec la cellule d'écoute. Merci. Bah justement, c'est une très bonne transition. Avant que justement, on passe à la suite, parce qu'on a été voir cette fameuse cellule téléphonique, voir un petit peu comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui s'y passait, etc. du côté de la mairie. Avant ça, sur Facebook, on peut lire déjà une bonne série de commentaires. Certains qui justement disent, il y en a deux, hein, je crois, qui précisent, voilà, heureusement qu'il y a encore le travail pour aller voir les collègues, pour avoir un petit peu d'interaction sociale. Certains continuent de s'interroger un peu sur les commerçants, quel est leur devenir, est-ce que quelque chose a été mis en place par rapport aux commerçants, parce que cette période est bien difficile, ils le rappellent. On a aussi une question sur les effectifs de police, qu'en est-il? Certains donc se posent la question sur la présence policière. Toujours en parallèle, on a pas mal de compliments sur cette initiative, c'est assez encourageant, les gens ont l'air assez les habitent, voilà. Très bien. Et donc, on a entendu, hein, juste avant de passer à la suite, on a entendu là dans cette première partie une sorte d'appel à l'aide d'une habitante sur cette fameuse classe moyenne qui se sent un petit peu isolée, et qui dit mais on existe aussi en quelque sorte. Ça nous rappelle quelques événements précédant la crise Covid. Vous vouliez peut-être réagir sur ce point. Oui, j'avais noté dans les premières questions parce que voilà. Il faut qu'il y ait un dialogue, hein, qu'on invente avec ce direct et qu'aux questions posées, il y ait des réponses. On a le souci d'être assez concret. D'abord, sur les masques, Michel Noailles, qui a assuré la rentrée scolaire, a fait en sorte qu'on ne fasse pas de tri, évidemment, dans les écoles. C'est-à-dire qu'on a des écoles assez mixées, malgré tout, à Corbeil-Essonnes, mais c'est vrai qu'il y a des écoles qui concentrent un peu plus de classes moyennes que d'autres, de parents issus de classes moyennes. Sincèrement, on a distribué des milliers de masques en lien avec les directeurs et directrices d'école dans toutes les écoles de Corbeil. Donc, il n'y a pas de choix entre classe moyenne et classe populaire. Et donc, tous les services que nous mettons en œuvre, pour ce qui est des masques, c'est en direction de la demande. Hein. Donc là, il n'y a pas de...
n'y a pas de discrimination, bien au contraire. Ça, c'est la première question. Après, sur le numéro d'appel que Denis a rappelé, on prend les demandes. Et c'est vrai qu'il y a des degrés dans la souffrance, dans l'isolement. Hein. Par exemple, en quelques jours, en deux jours, le nombre de demandes de colis a été considérable. C'est-à-dire que ce n'est pas un scoop. On l'avait découvert pendant le premier confinement. Il y a des centaines de personnes à Corbeil-Essonnes qui ont faim, qui, je pense que c'est en dehors du confinement, mais ça a été un révélateur de cette période, avec y compris l'aggravation de la crise économique, des personnes qui ne mangent pas à leur faim. Et donc, on met, Denis en a touché un mot, en place un énorme travail que j'ai un peu expliqué la semaine dernière, avec 5 points de distribution dans la ville, toujours le même numéro d'appel pour ceux qui auraient besoin d'un colis, mais il y a un travail de gestion à faire. À cet instant, je salue les personnels de la ville qui sont derrière le téléphone. Peut-être qu'on ira les voir si vous êtes allé les voir, mais je suis passé en voir quelques-uns ce matin. C'est un travail considérable, je les salue, toute une bonne partie de la journée au téléphone à répondre aux demandes des gens. Et donc nous allons structurer, parce qu'on en a quand même encore pour plusieurs semaines, les demandes pour bien les répartir et qu'il y ait aussi une équité dans la demande qu'on puisse satisfaire ceux qui en ont le plus besoin. Donc on aura des images et on reviendra. Peut-être, on m'a proposé d'ailleurs que ma vidéo de vendredi soir, je ne la fasse pas dans mon bureau, mais en direct de la maison des associations au Tarteret, d'où partent tous les colis d'aide alimentaire. Et donc, on livrera les colis sur rendez-vous. Enfin, on donnera un colis sur rendez-vous, quoi. Hein. Il y a des règles à respecter. Encore un tout petit mot. Moussa Sako nous disait dans les premières images qu'il fallait redéployer du personnel. Eh bien, il a raison. C'est pour ça qu'on le fait. C'est que d'ailleurs, il y a des personnes qui n'étaient pas affectées à répondre au téléphone qu'on a déplacé. Mais il y a aussi d'autres demandes, c'est que les associations caritatives, Secours catholique, Restaurant du cœur, Secours populaire, etc., eh bien, sont souvent animées par des bénévoles un peu âgés et donc qui hésitent à sortir par crainte du Covid. Et donc, on va réfléchir avec elles, si elles sont d'accord, à proposer à certains de nos agents qui pourraient être utiles à cet effet, à venir renforcer les associations dans cette période de crise pour pouvoir effectivement être encore plus utiles aux demandes à la personne. Très bien. Moi aussi, je voulais insister pour relayer, parce que ça fait 12 jours que le président donc, est intervenu pour remettre ce confinement partiel, on va dire. Donc, il a fallu, au sein de la collectivité, vraiment redéployer, faire des efforts. Et surtout, ce que je voulais dire d'abord, c'est d'abord la première règle, c'est la protection des agents. Parce que c'est aussi la condition pour que toutes les écoles puissent fonctionner, accueillir tous les parents. Il y a aussi toutes les activités périscolaires qui sont maintenues. Donc, c'est des centaines et centaines d'agents de la municipalité, dans tous les métiers, dans toutes les activités, qui sont mobilisés. C'est-à-dire que le télétravail reste relativement minoritaire, si je puis dire, assez faible, compte tenu que ces exigences de fonction publique puissent se maintenir. Et c'est pour nous quelque chose de très important. Et on l'a fait, je crois, que je veux saluer l'ensemble des équipes, des chefs de service et des directeurs des services, c'est-à-dire que ça s'est fait dans la concertation. C'est-à-dire qu'il y a eu le souci dès le départ de demander l'avis des chefs de service avec les agents, de telle façon qu'on puisse trouver les meilleures formes d'organisation pour que les agents soient aussi protégés et pour pouvoir faire le boulot correctement. Et dans ce cadre-là, il y a du redéploiement. Donc il y a d'ores et déjà un certain nombre d'agents qui font autre chose que leur boulot initial. Je pense à la médiathèque qui est fermée, d'autres équipements, maisons de quartier qui sont fermées, des animateurs jeunesse qui viennent dans le renfort dans les écoles, etc., etc. Donc je crois qu'il y a tout ce boulot-là qui est offert. Donc ça va monter encore en puissance parce que ça va être quand même un gros atout de la période. C'est quand même qu'on a vraiment besoin en France de services publics. Je finis juste sur un truc, c'est qu'il y a eu des ATSEM qui ont fait grève aujourd'hui avec les enseignants. Et nous, on les a soutenus dans le sens qu'on veut répondre favorablement à leurs demandes ou revendications quand ils s'expriment, parce que c'est quand même assez aberrant qu'il a fallu que les enseignants, notamment dans les lycées et collèges, fassent grève, tout simplement pour être écoutés, pour pouvoir prendre les bonnes mesures sanitaires qui s'imposent pour protéger la population, les parents, les élèves. Voilà, donc en tout cas, nous, on s'inscrit plutôt dans cette vision d'être sur le terrain et de concerter les gens, quoi. Ok, très bien. Justement, ça tombe bien, les agents qui se...
qui finalement doivent occuper des postes qui à la base ne sont pas les leurs. On a été les rencontrer, ceux en tout cas qui s'occupent de cette fameuse cellule téléphonique. Je vous propose qu'on regarde notre passage chez eux. Cellule Covid, bonjour. D'accord, et pour les colis alimentaires, c'est bien ça? Ok, je vais vous transférer auprès du CCAS pour que vous puissiez vous inscrire, ne quittez pas. On est avec Audrey, ma collègue, au service de la cellule d'écoute. On essaye de répondre au maximum et surtout réorienter les gens qui posent des questions. On a un tableau de bord, par exemple, on enregistre toutes les demandes et des questionnements des administrés et puis on transfère les demandes aux services concernés si nous, on ne peut pas apporter la réponse. Quand je vois tout ça, du coup, je sens que la ville est impliquée à répondre au maximum aux questionnements des administrés et des habitants. On se sent utile, tout simplement. À quel bureau vous avez été, madame? On vous a dit de venir à 14h. Oui, demain. Demain, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas encore reçu les colis alimentaires, madame. Ah, d'accord, c'était juste pour me renseigner. Je vous remercie, madame. Je vous en prie, bonne journée. Ah, merci, au revoir. Au revoir. On écrit sur le papier, on écrit dans un cahier et on écrit également sur l'ordinateur. Si jamais il y avait un souci avec le réseau ou le logiciel et que tout disparaissait, on a au moins une trace papier. Là, depuis ce matin, je pense suite aux annonces qui ont dû être faites par monsieur le maire, on a énormément de demandes pour les colis alimentaires. Vous en pensez quoi? C'est une bonne chose. Si on peut aider les Corbeil-Essonnois pendant cette période, c'est moi qui ai demandé à être déployée sur la cellule Covid, comme je ne pouvais pas faire de télétravail. J'aime pas rester inactive, donc là au moins, il n'y a pas du tout d'inactivité à la cellule Covid. Eh bien, messieurs, vos réactions, qui commence? Peut-être moi. Alors, je dois, j'entendais Frédéric qui disait, on a fait beaucoup de redéploiements. Ce que je veux quand même souligner, c'est que ce redéploiement se fait avec beaucoup de volontaires. C'est des agents municipaux qui ont travaillé dans des équipements qui aujourd'hui sont fermés. On a parlé de certains équipements culturels comme la médiathèque, le conservatoire, et qui spontanément ont proposé d'être au service, de se rendre disponible pour animer des cellules d'écoute, des dispositifs d'aide. Il y a une vraie solidarité qui s'est organisée. Et je pense que le service public joue à plein. C'est là que le service public est important. Pour aider nos habitants et nos administrés qui sont dans le désarroi. Notre réaction? Non, elles font, Audrey et Mélissa, elles font plaisir à voir. C'est que dans ces périodes difficiles, il y a aussi des idées reçues qui peuvent tomber les fonctionnaires, etc., qui ont un poil dans la main, qui ne veulent pas travailler. Enfin, vraiment, sincèrement, c'est d'ailleurs ces personnes que j'ai croisées ce matin en me rendant au premier étage du nouveau centre administratif. C'est émouvant parce que c'est une période difficile et le service public, ça a du sens. Frédéric et Denis le portent. Eh bien, oui, ça montre que les rapports humains peuvent être généreux, solidaires et se tendent la main. Donc, il ne s'agit pas pour nous de dire que tout va bien, mais en tout cas, pour ce qui est de l'aide alimentaire, des demandes considérables, on atteint plus de 200 demandes aujourd'hui. Donc, on va essayer de satisfaire tout le monde. Et je remercie d'ailleurs et les associations qui ont l'habitude de faire cela, mais aussi les donateurs. On travaille avec Carrefour et au marché frais qui vont nous aider. Et donc, c'est un énorme travail de solidarité dans les périodes difficiles. C'est ça qui peut nous permettre de redonner le sourire et de dire qu'il y a de l'espoir. Et
Et donc, on est une mairie, une municipalité qui est là pour dire qu'il y a de l'espoir et que quand c'est dur, il faut retrouver le sourire par l'action et la solidarité. Donc, merci au personnel qui fait ce travail. Et puis, il y a d'autres sujets, on y reviendra dans une autre émission. Mais une fois que l'aide alimentaire, qui est quand même pour nous la première des demandes, hein, il y a aussi les appels téléphoniques aux personnes isolées, les personnes âgées, etc. Donc, voilà, il a fallu décaler, par exemple, je le dis, le fait de donner les colis de Noël, parce qu'évidemment, tout ça bouleverse en direction des personnes âgées, plus vulnérables, plus fragiles vis-à-vis du Covid. Eh bien, on a préféré décaler la distribution des colis de Noël, compte tenu de la période. On ne veut pas prendre de risques vis-à-vis de nos seniors. Il y aura un autre sujet qu'on va travailler dans les jours à venir. Ça a été posé par une personne dans le reportage. C'est le commerce, l'artisanat, les PME. C'est-à-dire que le monde économique est en souffrance. D'ailleurs, moi je pense aussi, on n'est pas des hommes politiques inodores et sans saveur, on a des valeurs. Je crois que le gouvernement serait avisé d'être beaucoup plus solidaire vis-à-vis du monde économique. Je le redis, je l'ai dit à l'émission précédente, des milliards sont encore débloqués dans le cadre du CUCE pour les très très grandes entreprises. Et on a dans nos communes des représentants de petites entreprises, des artisans, des commerçants qui sont laminés avec cette affaire. Et donc, avec les élus concernés, Hichem Boukouba pour le développement économique, Pierrick Gautreau pour le commerce, nous allons travailler dans les jours qui viennent à inventer une nouvelle plateforme en direction du monde économique de Corbeil-Essonne. Voilà, il faut inventer, se serrer les coudes, mettre en relation des clients avec des commerçants, etc. Il y a une plateforme qui va être créée, on aura des choses à annoncer lors des prochaines émissions. Très bien. Émission spéciale commerce d'ici la semaine prochaine, je pense. D'ici voilà. Peu de temps. Non. Très bien. Je pense que de ce point de vue, c'est il n'y a pas que de la continuité de service public dans tout ce qui est fait à Corbeil. On va au-delà. Bon, on a voulu notamment renforcer cette cellule d'écoute et sa capacité à répondre à beaucoup plus de sollicitations. Ce qui est en train d'être discuté, qui va se mettre en place par rapport au commerce. J'oubliais que la médiathèque, même si elle est fermée, a mis en place un dispositif qui permet quand même de pouvoir commander, entre guillemets, de réserver des livres et de pouvoir aller les chercher auprès de la médiathèque. C'est-à-dire qu'on ne néglige rien dans le fait que ce n'est pas simplement de la continuité, c'est aussi de pouvoir vraiment renforcer la qualité de tous les liens qu'on peut avoir, des contacts et des activités, y compris culturelles. Et ce qui est en train d'être inventé là par ce biais de cette crise, est-ce que vous pensez, Frédéric Bourges, que ça peut être prolongé finalement toute cette adaptation et cette... Paradoxalement, je pense que oui. Il y a notamment un sujet, parce qu'on n'est pas forcément au top, c'est le télétravail. C'est vrai que cette crise sanitaire depuis le début de l'année nous a un peu surpris et on est un peu en retard et sur les modalités concrètes de télétravail et sur l'équipement informatique qui va avec. Donc je pense que ce sera une réflexion qui va être prolongée dans les mois qui viennent, quoi qu'il arrive, pour pouvoir être beaucoup plus opérationnel sur cette question-là et donner beaucoup plus de souplesse et d'intérêt à ces choses-là. Je pense que ce qui a été dit là, sur la médiathèque ou le commerce, c'est des choses qui vont pouvoir vraisemblablement être prolongées. Sur les écoles, c'est vrai que prendre des ATSEM ne peuvent pas, sont en situation de repli comme personnes vulnérables, donc elles restent à la maison avec une autorisation spéciale d'absence. C'est pas toujours facile de remplacer des ATSEM parce que c'est une qualification importante avec un CAP de petite enfance. Il y a quand même des choses qui essayent de se faire. On voit qu'il y a des potentialités d'intérêt au travail, de redéploiement de travail, de proximité de travail qui peuvent être vraiment très enrichissantes. Et c'est vrai qu'il y a des agents, je dirais paradoxalement, mais c'est pas choquant forcément en soi, qui peuvent effectivement exprimer tout un tas de créativité, d'idées originales. Et nous, on a besoin, en fin de compte, d'avoir une commune qui accompagne, qui écoute et qui accompagne ces mouvements-là pour pouvoir justement avoir une société qui est moins corsetée, moins technocratisée, si je puis dire, pour qu'on puisse avoir cette liberté de ton, de parole, d'action, quoi. Vraiment, moi, je trouve pour l'instant, c'est des choses qui peuvent nous éclairer pour après, quoi.
Tout à fait, très bien, merci. Alors avant de passer à la suite, on a eu toute une série de commentaires hein, tout le long. Là, alors je vais en citer quelques-uns, hein, pas tous forcément. En tout cas, on a eu pas mal de réactions sur les masques. Vous en parliez tout à l'heure dans les distributions dans les écoles. Certains s'interrogent parce que les écoles, visiblement, ont demandé 2 masques par famille, je crois, par jour. Donc voilà, visiblement, toutes les écoles n'auraient pas eu les masques. En tout cas, il y a beaucoup de choses sur les masques. Il y a une jeune fille de 13 ans qui souhaiterait devenir bénévole le mercredi et le week-end. Elle se demande si donc c'est possible. On nous interroge aussi donc toujours sur le commerce et les commerçants et la possibilité de s'adapter. Donc vous avez répondu entre-temps, je crois. On nous demande aussi des dispositifs sur les attentats, sur les écoles, notamment sur Moulin-Galant et aussi sur les dossiers d'urbanisme comme les aménagements du bord de Seine et de Hélio. Est-ce que c'est en attente? Est-ce que c'est en pause? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça va poursuivre? Voilà un peu les questions. Déjà, je vais peut-être vous laisser un petit temps parce que je vous ai harcelé de commentaires. Oui, non, bah, des questions légitimes. D'abord, sur ce qui pourrait continuer au-delà du confinement, c'est ces moyens de communication en direct par la visio. On est assez, je le disais, surpris agréablement, l'équipe des élus, l'administration, du nombre de personnes qui suivent nos émissions, mais aussi, par exemple, il y avait conseil municipal hier soir, le public ne pouvait pas être présent, mais on l'a retransmis, c'est près de 3000 personnes qui se sont connectées. Je ne dis pas qu'ils ont regardé les 3 heures du conseil municipal, mais notamment des agents que j'ai croisés aujourd'hui, qui, voilà, d'habitude, un public de conseil municipal à Corbeil-Essonnes, c'était un peu plus depuis qu'il y a eu l'alternative, l'alternance, mais enfin, sincèrement, entre 10 et 50 personnes. Et là, eh bien, il y a plus de gens, peut-être qu'il y a plus besoin aussi de savoir ce qui se passe et d'avoir d'informations, mais pas que. Je crois que voilà, ces modes de communication modernes peuvent être aussi un moyen nouveau de démocratie. En tout cas, j'ai bien en tête qu'une fois qu'on sera sorti de tout ça, eh bien, il y a là, avec la caméra, l'interview, la retransmission, les moyens d'avoir un nouveau moyen de communication pour les années à venir dans notre ville. On espère bien innover en la matière. Juste un mot sur... pour les masques, voilà, s'il y a des demandes, il faut les formuler aux enseignants et aux directeurs d'école qui sont en contact avec notre service, la DASCO, on l'appelle comme ça chez nous, et Michel Noailles. Il n'y a pas de problème, on a des masques, on a tout intérêt à ce qu'ils soient distribués. Donc faites bien remonter les besoins, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas, dès demain, enfin demain c'est le 11 novembre, mais jeudi, fournir les écoles qui en auraient besoin. Sur l'urbanisme, bien sûr, les dossiers continuent. D'abord, il y a des dossiers qui ne dépendent pas de nous. Et c'est toute l'ambiguïté de ce confinement, c'est que le travail continue. Et donc, les aménageurs qui veulent investir à Corbeil continuent d'investir. Sur Hélio, il y a des choses qui vont bouger puisqu'il y aurait, a priori, dans les mois qui viennent, un nouveau propriétaire. Et donc, il ne s'agit pas pour nous, je l'ai dit, mais je le répète, que les dossiers en cours, les travaux sur le cirque de l'Essonne ont commencé, des travaux sur les quais de Seine vont aussi avoir. La rénovation urbaine des Tarterets est toujours en débat parce que tous les jours, nous sommes en visioconférence avec les acteurs. Ce matin, par exemple, je le dis, c'est une information. Nous avons fait le point avec Réseau Île-de-France sur l'arrivée du Tézène dans le bas des Tarterets, près de la gare. Tout le monde se demande, par exemple, c'est le moyen de donner des informations, pourquoi il y a cette immense butte de terre qui a été montée là où il y avait Norbert Détressange, rue Émile Zola. Là, eh bien en fait c'est parce que dans 2 ans il y aura un centre de dépôt des bus qui font 24 mètres qui seront entretenus et qui serviront de base arrière pour le Tézène à cet endroit. Et les buts de terre, c'est qu'avant de faire les travaux, les services culturels ont vérifié qu'il n'y ait pas là de quoi faire des fouilles archéologiques. Donc ce n'était pas du tout des enjeux de pollution, mais une terre qui, d'ici 1 an et demi, devrait être remise en état pour l'ouverture. Voilà. Et donc les dossiers continuent. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'il nous faut inventer. Frédéric dit que nous avons un devoir d'invention, et notamment en matière démocratique. Il y a les moyens de communication modernes, mais je n'aime rien tant que les salles,
avec beaucoup de monde, où ça débat, où ça se confronte, où ça réfléchit. Donc nous allons vite revenir à ça, et sans attendre, puisqu'on ne peut pas le faire dans les salles, je l'ai dit, il y aura des balades urbaines la semaine prochaine pour discuter sur des enjeux précis avec les habitants, une à Chantemerle et une au Tarteret, et on va essayer de faire des balades urbaines à bonne distance. Je sais qu'à Chantemerle, on a invité les 3F, il y aura le bailleur, il y a des choses à discuter avec les locataires, et aussi au Tarteret, puisqu'on a une rénovation urbaine qui continue de battre son cours. Et si les habitants veulent y participer, comment ils procèdent? Alors, on donnera les informations, comme c'est la semaine prochaine, à la vidéo de jeudi ou en direct, ou ma vidéo de vendredi, on donnera les rendez-vous précis pour que les habitants puissent se rendre à ces balades urbaines. Celle de Chantemerle, pour que les habitants puissent y aller, aura lieu le samedi 21 au matin. Voilà. On nous demande sur les commentaires, comment est-ce qu'on fait des bus de 24 mètres dans les rues de Corbeil? Comment? Eh bien écoutez, nous avons découvert ça, nous étions 5 élus avec nos amis des services pour découvrir ce formidable projet. Bah, écoutez, ça fonctionne, notamment à Nantes, et ça va fonctionner chez nous. Des bus assez impressionnants, 100% électriques, et qui vont permettre de nous relier notamment à Évrys. Donc c'est tout le projet du TZN qui fera, puisque nous l'avons découvert en fait très sérieusement ce matin, l'objet d'un prochain reportage dans le magazine municipal. Mais ils sont articulés évidemment, et ils pourront prendre notamment les voies nouvelles qui vont descendre de la Nationale 7 jusqu'à la gare de Corbeil sur la rue Émile Zola. Voilà, très beau bien. Chantier en cours. Parfait. Alors certains sont contents de savoir pourquoi ces buttes de terre apparemment. Oui, hein. Oui, bah, enfin, on comprend pourquoi. Oui. On continue de nous questionner sur l'âge des bénévoles, visiblement sur, par exemple, la jeune fille de 13 ans. Alors je pense qu'il faut sûrement une autorisation des parents, je pense, mais on va regarder ça dans le détail. Il s'agit qu'on soit dans les clous des règles. Mais je le remarque, pas que moi, mais... depuis quelques mois, on voit cette jeunesse de 11, 12, 13, 14 ans. On l'a vu dans l'enquête qu'on continuera de diffuser, Imagine Corbeil-Essonne. On a, peut-être je découvre la lune, hein, mais tant mieux, il n'est jamais trop tard, une jeunesse de 11, 12, 13 ans, sacrément mobilisée, pertinente, qui s'exprime remarquablement bien. J'ai en tête ce jeune, donc dans le film Imagine Corbeil-Essonne, qui arrive à parler de Corbeil-Essonne dans la place du Grand Paris. J'ai en tête ce jeune qui nous a tous émus lors de l'hommage à Samuel Paty, et vous retrouverez une partie de son témoignage dans le dernier magazine. Oui, on a une jeunesse de 11, 12, 13 ans hyper mobilisée. Ben, il nous faut inventer, avec l'accord des parents évidemment, à comment ils peuvent trouver leur place dans ces initiatives de solidarité. Frédéric, tu veux ? Non, je ne travaille pas parce que pour l'instant, c'est tous les jeudis matin à 9h où on fait le point, ce qu'on appelle une cellule de commandement, mais qui est plutôt une cellule pour nous solidarité et d'action. Je pense que jeudi matin, on mettra ça aussi à l'ordre du jour parce qu'on a déjà des sollicitations de personnes. Et donc, qu'on regarde un peu les règles du jeu, comment tous ces bénévoles vont s'intégrer dans des conditions réglementaires et sanitaires correctes pour tout le monde. Quoi. Alors, il existe des dispositifs. Hein. La ville est en train d'en mettre un en place. Je sais que la préfecture a une plateforme aussi sur laquelle on peut aller s'inscrire pour des missions de service public, de solidarité. La ville va déployer aussi ce dispositif parce que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues hein, en ces moments. Si les jeunes peuvent venir, on va trouver le moyen qu'ils puissent s'inscrire. Oui, alors je parle des adultes, hein, je n'ai pas encore parlé des mineurs, parce que là, c'est un peu particulier, les mineurs. Mais bon. C'est vrai qu'on sous-estime, j'ai découvert d'une façon plus précise l'importance de la réserve civile et de la sécurité civile, qui est un peu méconnue, mais qui joue un rôle essentiel. Et donc, ils travaillent souvent dans l'ombre. Et là, c'est des périodes où, en fin de compte, ça peut être une plus grande mobilisation. Il y a beaucoup d'agents de la commune qui participent d'une façon bénévole à l'ensemble de cette réserve et qui sont mobilisés actuellement dans les actions qui sont menées.
Bien. Alors, on a beaucoup de commentaires sur la façon dont on nettoie les écoles, comment on s'adapte sur le mobilier, sur pas mal de choses. Ça tombe très bien, puisque justement, hier, nos équipes, on était justement dans deux écoles de Corbeil-Essonne pour voir un petit peu ce qui s'y passait, comment est-ce que fonctionnait la cantine, comment ils s'organisaient, comment ils avaient dû réagir face à tout ça. Donc, je vous propose qu'on regarde tout de suite notre passage dans les écoles de Corbeil-Essonne. Bonjour les enfants, bon appétit. Bonjour. Le premier service à 11h30, c'est les tout petits. Midi 15, c'est les moyens et les petits. Et 13h, c'est les grands. On a dû procéder comme ça en raison du Covid, enfin pour respecter les gestes barrières. Moi j'ai juste une question. Oui. Parce que du coup, forcément, ça a dû vous changer. Le fait de faire trois services, d'habitude, vous n'en faites que deux. Oui, ça va empiéter sur les cours, en fait. Au lieu de finir le service à 13h30, ils finiront vers 14h. Et ça, c'est, du coup, c'est depuis le Covid ou c'est spécialement aujourd'hui parce qu'il y a eu plus d'enfants? C'est déjà arrivé, mais depuis qu'il y a les gestes barrières à respecter, on est obligé de procéder comme ça. Sinon, les enfants sont trop proches, en fait. Pourquoi au loin on voit des barrières? Alors c'est pour séparer, les enfants ne sont pas brassés. Comme à la cantine, ils sont classe par classe. Là vous voyez, il y a l'élastique par terre, c'est pour séparer aussi. Et pour les récréations scolaires et pour la cantine. On était plus dans les classes avec les enfants pour les ateliers que maintenant on est là pour désinfecter tout ce qu'ils ont touché, tout ce que le nettoyage des salles d'eau, en permanence. À chaque passage d'enfant, on est obligé de nettoyer. Donc c'est vrai que les ateliers deviennent de moins en moins dans les classes avec les maîtresses et les enfants. Quoi. Il faudrait plus de personnel, plus d'animateurs. Là, on va commencer cette pièce. Donc on va commencer à vider toutes les pièces qui sont vides. On va donner un coup sur les tables. Puis on va remplir les savons, on va mettre le papier essuie-main, le papier toilette, partout quoi. Si. Pour désinfecter vraiment, pour que ça soit propre vraiment, bien désinfecté, c'est le corona. Oui. Donc on fait vraiment plus par rapport à ce qu'on faisait avant. Vous faites plus que d'habitude, c'est ça? Oui. Pour le bien de nous tous, hein. Les enfants, surtout les enfants. Plus de choses à désinfecter parce que tout ce qu'on partout on passe, on est obligé de désinfecter, tout ce qu'on touche, on est obligé de le faire. On s'entraide franchement, donc voilà quoi, on s'entraide et puis on travaille vraiment en équipe. Notre rôle, c'est veiller à la sécurité des enfants, de l'école et de la propreté des enfants, de tout le monde, de l'école quoi. C'est très important. Bien, alors j'ai entendu beaucoup de réactions pendant ce reportage. Qui se lance en premier? Peut-être sous l'autorité de M. Barranger. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plus de 4000 enfants qui mangent le midi dans les cantines de Corbeil-Essonne ces dernières semaines. Quoi. C'est même un chiffre légèrement supérieur à la moyenne sur plus de 7000 enfants scolarisés. Donc c'est un vrai défi tous les jours d'accueillir du temps du matin, dans la petite enfance, le périscolaire, la restauration du midi. Des fois, c'est trois services pour pouvoir garantir les gestes barrières et le nettoyage qui s'imposent. Il y a un très, très gros effort, ce qui fait que là il y a, va falloir qu'on renforce dans les prochains jours, d'ailleurs, de toutes les équipes de nettoyage de la ville. Et on fait aussi appel à un prestataire extérieur, privé, pour pouvoir garantir ces conditions-là, parce que c'est un peu tendu en ce moment. Quoi. Non, une autre réaction, c'est... S'il y en a qui doutaient
Qui sont les premiers de cordée? Bah, écoutez, on les a vus là. Elles sont à l'hôpital, à l'école. Mais là aussi, ces ATSEM, ces personnels d'ailleurs, qu'elles soient communales ou salariés de nos délégataires, puisqu'une partie des marchés sont confiés au privé. Voilà, c'est aussi très émouvant de les voir au front, prendre à cœur un travail qui n'est pas facile et devoir faire plus que d'habitude en désinfectant nos locaux. Et donc, j'entends, parce que nous constatons effectivement qu'il n'y a pas assez d'ATSEM, de personnel dédié à ce travail. Et donc, pour les semaines à venir, il y aura sûrement ou du redéploiement, ou en tout cas, repenser l'affectation de personnel là où il y en a le plus besoin. Donc, ces moyens de communication, ces reportages, ça nous sert aussi à vérifier comment on peut réorganiser un peu le travail dans notre commune. Et puis, je me mets à la place des Corbeil-Essonnois qui découvrent ces images. Ça donne envie vraiment d'avoir une petite télé locale, parce que je trouve que quand on rentre du travail, qu'on a confié ses enfants à l'école, on ne les voit pas. Et donc là, ça donne une idée. C'était à l'école Henri Vallon, hein, on repérait que ce reportage a été fait. Voilà, je trouve que c'est aussi un moyen démocratique de regarder ce qui se passe ensemble dans la ville. Donc merci pour ce reportage, voilà, important. Comment la ville va déployer autant de moyens en fait pour finalement recruter encore et encore du personnel? Comment ça va se passer, ça? Non, j'ai pas dit qu'on allait recruter encore et encore. J'ai parlé d'abord de redéploiement. Vous savez, la commune de Corbeil-Essonnes, c'est en année pleine 1300 fiches de paye. Hein, de ça, on est là depuis 4 mois. On constate cela. C'est un secteur sur lequel Denis est attentif et Frédéric comme adjoint. Donc il s'agit, on a dit qu'on n'augmenterait pas les impôts à Corbeil-Essonnes, donc nous n'augmenterons pas les impôts. Mais il y a besoin donc d'avoir un service public beaucoup plus efficace. Ça passe par du redéploiement, de l'intelligence d'organisation du travail. C'est plutôt vers cela qu'on s'organise. Voilà, les moyens n'étant pas extensibles. Je le dis d'ailleurs parce que ces périodes de crise, le moyen de repérer les enjeux politiques de notre pays. Il y a ce qu'on peut faire à Corbeil-Essonnes, on essaye de faire au mieux, je crois qu'on le montre. Et puis, il y a aussi le moyen toujours d'interpeller notre gouvernement sur... depuis des années, on nous dit il y a trop d'argent pour les services publics, les collectivités territoriales ont trop de moyens. Eh bien non. Je crois que ce qui fait la garantie d'une société où il y a de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, c'est qu'on donne des moyens aux services publics. Il n'y a pas d'argent mis en l'air, en tout cas dans nos services. Donc il y a une interpellation aussi des pouvoirs publics pour qu'on donne de l'argent pour le bien commun, et ça passe par revaloriser les services publics dans notre pays, quoi. Très bien. D'ailleurs, justement, on voit qu'il y a eu plein d'adaptations, les services publics qui réagissent. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels vous avez dû, Denis Barranger, réagir, faire bouger un petit peu les lignes, la voirie, d'autres secteurs qui vous paraissent... Oui, alors la voirie, surtout sur le premier épisode, parce que c'est vrai qu'on avait décidé, voilà, on n'avait pas vraiment de retour et pas d'antériorité. De désinfecter le domaine public, par exemple. Hein, à une époque, tout le mobilier urbain, voilà, on a mis beaucoup de moyens. C'est plus un service qu'on fait aujourd'hui, parce que voilà, on regarde aussi éventuellement les retours qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec monsieur le maire quand on dit qu'on a beaucoup de réactivité, d'inventivité. C'est pour ça que la cellule d'écoute, on analyse... toutes les demandes pour justement voir si on peut mettre le service en face de ces demandes le plus rapidement possible. Donc voilà, on est à l'écoute des besoins de nos habitants et de nos administrés. Et on s'adapte. Très bien. Alors, sur les commentaires, donc, en effet, il confirme, hein, un seul agent d'entretien à l'école Langevin pour 16 classes. D'ailleurs, j'y pensais, on était à l'école Henri Wilson, mais également à Paul Bert. Hein, on a vu deux écoles différentes de Corbeil-Essonnes. Voilà, en termes de commentaires. Est-ce que vous aviez peut-être un autre sujet que vous vouliez aborder
Il nous reste 10 minutes environ. Non, parce qu'il y a une question qui a été posée sur la question de la police, des risques d'attentats. Donc, je veux dire, il ne faut pas négliger le fait que la police municipale comme la police nationale restent mobilisées effectivement sur leur mission régalienne de protection. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression en écoutant des personnes que il y a moins de contrôle ou il n'y a pas de contrôle. C'est vrai qu'il y a plus de gens en circulation pour aller au travail, aller à l'école. C'est vrai qu'il faut que la police ne va pas être exclusivement sur le contrôle de ceux qui ne sont pas dans les clous des gestes barrières, des attestations de déplacement, etc. Surtout que visiblement, pour l'instant, c'est plutôt respecté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, y a pas forcément besoin de mobiliser à 100% les ensembles des éléments de la police pour qu'ils puissent continuer à faire leur mission quand même de protection des personnes et des bâtiments. Ce qui, je pense, est fait en ce moment. Il y a eu un renfort sur la police municipale de 3 personnes récemment, avec des modifications dans l'organisation de cette PM. On recrute encore sur la police municipale. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire là-dessus. On doit remonter en puissance. On a à peu près 24 policiers municipaux avec les 3 nouvelles recrues. Et l'objectif de la municipalité, c'est d'aller jusqu'à au moins 30 policiers municipaux. Voilà, parce qu'on se rend compte qu'ils ont de plus en plus de missions, voilà, des missions d'accompagnement, des missions un peu de répression, mais surtout d'accompagnement de la population. Et dans ces périodes de Covid, voilà, c'est... Non, mais je me rappelle, merci Denis pour ces chiffres, on a une volonté de monter en puissance pour la police municipale, mais aussi que la police nationale, évidemment, joue son rôle, que ce soit complémentaire, et on travaille en étroite collaboration. J'ai pu vérifier la semaine dernière, le jour de la rentrée, que la présence de la police devant les écoles, c'était le premier jour après les attentats, eh bien, rassurait, évidemment. Et donc, on travaille à avoir une police présente sur le terrain, visible, qui circule au maximum. Et puis, sans faire la morale, je dis que l'enjeu du confinement, c'est que la pandémie régresse. Et donc, il y a quand même, je suis d'accord avec Frédéric, globalement, les mesures sont respectées, mais on peut encore faire mieux d'un point de vue civique. C'est-à-dire que si on remplit son attestation, si on porte le masque, je pense au marché, par exemple, dimanche. Hein, d'ailleurs, aussi bien, je le dis, j'en ai vu certains commerçants, il y a un enjeu, est-ce que les marchés durent? Nous, on est des défenseurs de nos marchés en semaine et le dimanche. Pour qu'ils tiennent, il faut que les gestes sanitaires soient respectés. Donc, cette émission, c'est aussi... le moyen de relayer les appels au sérieux tant que le Covid est aussi important. Il faut qu'on respecte les gestes civiques et sanitaires de sorte que la police elle puisse être plus sur ses missions de sécurité, je dirais, de protection des personnes que de contrôler celui qui n'a pas son masque ou pas son attestation, quoi. Donc, ce n'est pas facile, mais essayons d'être rigoureux dans les semaines à venir, quoi. Très bien, vous disiez donc que vous recrutiez toujours, alors si je ne m'abuse, 6 postes d'agents municipaux donc dans la police. Oui. Quelles compétences il faut finalement pour être recruté, pour postuler Il faut une formation obligatoire. Voilà, donc on cherche si possible des policiers municipaux confirmés, qui soient opérationnels tout de suite. Voilà, donc il y a... C'est vrai que c'est une profession où il y a beaucoup de... C'est un métier, mais c'est une profession où il y a beaucoup de mouvements. Mmh. Vrai, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de polices municipales qui se déploient sur les communes. Du coup, il y a... Voilà, mais on est bien à Corbeil, on a des belles missions à accomplir, donc n'hésitez pas... On vous accueillera à bras ouverts. Voilà, le message est passé, je crois. On a 105 personnes... actuellement, hein, en ligne, en tout cas qui nous regarde. Donc voilà, l'appel est lancé pour les postes à pourvoir. En ce qui concerne la police, mais aussi du coup les temps de midi, hein, je crois, le temps de la pause méridienne, comme on dit. On va peut-être, avant, je ne sais pas quelle heure il est, mais voilà, je voudrais quand même, toujours, on s'adapte à la demande, dire qu'on met en place un dispositif très important porté par le service de santé et le centre municipal de santé qui va commencer ce jeudi 12 novembre à partir de 13h à Charente-en-Sarc, qui est un test rapide antigénique
gratuit, sans ordonnance, sans rendez-vous. Donc vous pouvez vous présenter à l'espace Charlotte-Ansart à 13h et vous aurez un test gratuit. L'avantage, c'est qu'en 15-20 minutes, vous avez le résultat. Donc c'est presque immédiat et on va le déployer pendant, je crois, 3 semaines, les lundis, mardis de 10h à 16h, le mercredi de 9h à 15h et le jeudi de 13h à 19h. Et ça commence ce jeudi 12 novembre à 13h, donc de 13h à 19h à Charlotte-Ansart. Très bien, pas besoin de s'y inscrire, on peut venir directement. Sans rendez-vous, sans ordonnance, sans argent. Très bien. Je remercie d'ailleurs à cet effet Martine Souavi, qui est notre adjointe à la santé, qui s'est démenée pour que ce dispositif puisse être mis en place. Tout ça, vous trouverez les informations sur le site de la ville www.corbeil-essonne.fr. Toutes ces informations seront sur le site. Redire pour... on se rapproche après de la fin, que vous voyez, un des enseignements de ce direct, ça fait du bien de l'entendre, c'est qu'on a du redéploiement. J'entends que sur l'entretien des classes, on puisse mettre au prochain rendez-vous de la cellule, du poste de commandement de veille solidaire et sanitaire, cette question à l'ordre du jour, parce que sur les métiers les plus difficiles, celles et ceux qui sont au front, il faut qu'on puisse redéployer peut-être des moyens dans la période pour qu'il n'y ait pas, je lis, un agent d'entretien pour 16 classes à Langevin. Voilà, les élus, notre responsabilité, ce n'est pas simplement d'écouter, c'est d'entendre et de prendre des mesures, quoi. Eh bien, écoutez, justement, Lavida nous demande sur Facebook, Monsieur le maire, avez-vous songé à recevoir les parents d'élèves ? Alors, d'abord, les parents d'élèves qui souhaiteraient nous rencontrer peuvent nous solliciter. Il n'y a pas de problème. On a depuis... Là, il peut y avoir le numéro qui est indiqué, le 01 60 89 72 01. Mais il y a aussi le standard de la mairie où on peut demander un rendez-vous à monsieur le maire. Il y en a beaucoup, donc j'essaie de répartir les rendez-vous sur plusieurs semaines. Mais il y a aussi dans chaque école un élu référent. C'est-à-dire que nous sommes une équipe municipale de 34 élus répartis sur tous les quartiers de la ville. Et chaque élu est membre d'un conseil d'école. Je sais qu'ils ont eu l'occasion, sous l'impulsion de Michel Noailles, de se rendre déjà 3 fois devant les écoles. Ils vont siéger au conseil d'école. Et donc, c'est aussi eux qu'il faut solliciter pour recevoir les parents d'élèves de chaque école. Mais nous cherchons d'ailleurs aussi... nous sommes des défenseurs des mouvements, des organisations, des syndicats dans les entreprises. On souhaite aussi que les parents d'élèves sur Corbeil-Essonne se fédèrent. C'est bien d'avoir une réflexion collective sur les enjeux de l'école vue du point de vue des parents d'élèves. En tout état de cause, on reçoit toutes celles et tous ceux qui demandent des rendez-vous, a fortiori si c'est des rendez-vous collectifs de plusieurs parents d'élèves d'une école, quoi. Hein ? Très bien. Peut-être parce que c'est vrai qu'il y a ce débat-là très, très actuel sur les mesures sanitaires un peu différentes sur les collèges et lycées, qui est un peu chaud bouillant compte tenu des fois d'un grand nombre de jeunes avec leurs enseignants, le lycée de Corbeil notamment, où les collèges sont quand même très bien, très remplis. Donc les dédoublements de classe envisagés ou des mesures plus appropriées qui seront envisagées, bon, certainement, on aura besoin nous aussi de bien examiner, d'être attentif à ces évolutions. Dans les écoles primaires, les choses sont un peu différentes parce que les modalités qui sont en lien avec l'éducation nationale sont faites. Sur les conseils d'école, la plupart ne se sont pas tenus, ni en présentiel, ni en visio. Donc il faudrait regarder à nouveau avec l'ensemble des personnels de l'éducation nationale comment on peut améliorer ou en tout cas permettre tout ce dialogue avec les parents d'élèves qui ont été élus donc, à la rentrée scolaire. Et puis de telle façon que c'est aussi un relais important de l'écoute qu'on peut avoir auprès d'eux. Quoi. Donc de pouvoir faire un point et accélérer ça, mais ça, regarde ça avec Michel Noailles dans les prochains jours. Quoi. C'est un peu tout chaud parce que c'est vrai qu'y compris les réunions de conseil d'école à distance ne sont pas toujours faciles parce qu'il faut aussi créer les conditions que l'ensemble des parents puissent avoir accès aux moyens informatiques ou de téléphone qui vont bien pour pouvoir faire ce type de réunion.
Super, très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup. On est pile poil dans les temps pour rendre l'antenne. Jeudi, ce seront Oscar Segura, maire adjoint à la culture, et Elsa Touré, maire adjoint à la jeunesse, qui seront ici à nos côtés pour poursuivre le dialogue. Merci à vous. Encore plein de sujets à aborder. Bonsoir et à jeudi prochain, 18h30. Merci pour vos contributions Facebook. À jeudi.